Bienvenue à l'émission Le Déclic. Aujourd'hui, nous avons invité Mme Hadi Bolero, ancien ministre de la Défense et de la Sûreté, premier ministre et président par intérim. Il est aussi écrivain. Eh bien, nous l'avons invité pour venir analyser un peu ce qui se passe à la scène internationale, notamment en Tunisie, sur la révolution, sur la contagion révolutionnaire qui se passe aujourd'hui en Égypte, et bien évidemment de nous parler de sa candidature aux élections présidentielles des Comores. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de la Défense et de la Sûreté pendant le régime Anzali. Et vous venez d'être battu dans les élections présidentielles de l'Union des Comores. Comment vivez cette expérience politique maintenant? D'abord, je vous remercie. Ensuite, pour vos spectateurs, parce que nous avons un système un peu particulier, un système constitutionnel aux Comores. Je n'ai pas été candidat au présidentiel, j'étais candidat aux primaires, c'est-à-dire aux Comores, contrairement dans les autres pays, c'est la Cour constitutionnelle qui décide qui est candidat à la présidence. On organise d'abord des primaires dans une île, donc on est candidat aux primaires. Si vous êtes parmi les trois premiers, c'est à ce temps-là que vous êtes candidat à la présidentielle. Donc je n'ai pas eu... J'ai pas eu cette chance d'être candidat à la présidentielle. J'ai tout simplement été candidat aux primaires à Mouilly. Effectivement, j'ai été battu. Je n'ai pas été parmi les trois. D'abord, je suis un démocrate. C'est ça la démocratie. Les Mouilliens ont décidé autrement. Ensuite, je ne crois pas que cette élection a été une élection libre, comme on l'avait cru, comme on l'avait voulu. Il y a eu beaucoup... La Commission nationale électorale indépendante l'a bien confirmé, qu'il y a eu des vols de bulletins, il y a eu de la corruption, etc. Mais de ma part, ce sont des choses, en tout cas en Afrique, qui ne m'intriguent pas. Donc je prends tout cela avec philosophie, tout en disant l'essentiel est que le pays ait un dirigeant qui soit plus ou moins élu ou déclaré élu par le peuple ou déclaré élu par les organes constitutionnels, notamment la Cour constitutionnelle, et cela me suffit. L'essentiel étant, bien sûr, à ce que le pays ait de bons gouvernants, à ce que la démocratie vive et surtout à ce que les droits des Comoriens soient respectés. Donc je vis cela comme normal, comme un politique qui est parti dans des élections et qui a été battu. Normal, oui, ça se comprend très bien. Mais quelle leçon tirez-vous? Est-ce que vous, parce que vous êtes un démocrate, vous êtes un homme politique quand même, ayant une expérience, une longue expérience politique, vous connaissez votre pays, vous connaissez comment les élections se déroulent, vous connaissez quelles ressources, quelles thématiques faut-il mobiliser pour gagner les élections. Est-ce que vous avez mesuré quand même l'ampleur de tout cela? Je crois qu'il y a une chose, je ne sais pas si c'est général en Afrique, en tout cas aux Comores, nous aurons un jour de bonnes élections démocratiques, transparente et surtout des élections qui soient fidèles à l'électorat comorien lorsque nous aurons à la tête de l'État un démocrate, un républicain. C'est ça notre problème. Est-ce qu'on a déjà un démocrate et un républicain? Justement, celui qui organisait les élections, le président Sabi, n'est pas un démocrate, il n'est pas républicain. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'il n'est pas un démocrate? Est-ce que vous avez des explications à donner? Il y a des élections, il y a eu des élections. Est-ce que c'est parce qu'il prolonge la date de l'investiture, que vous dites qu'il n'est pas... Ce n'est même pas prorogé, c'est le fait de ne pas respecter la loi. Vous savez, M. Sambi a été élu par une constitution et un code électoral et une loi portant élection du président de l'Union sur la base de 4 ans. C'est simple. C'est pour cela qu'il a été élu, parce qu'il y a eu une crise en Joannèse, parce qu'il y a eu des négociations, parce qu'il y a eu un accord suite à cette crise, l'accord, le fameux accord de Fomoni du 17 février 2001, qui a fait que nous avons adopté une nouvelle constitution. Donc c'est sur la base de tout cela qu'il a été élu. Question, comment se fait-il qu'il se fait élire sur une base et maintenant qu'il doit partir, il crée une autre base? Ce n'est pas républicain. Vous savez, si le monde continue comme ça ou les Comores continuent comme ça, on aura toujours des présidents qui resteront au pouvoir le temps qu'il faudra. C'est-à-dire si vous êtes élu sur la base de 4 ans et que vous venez torpiller la loi, pousser
ceux qui sont au pouvoir afin qu'on vous proroge votre mandat, ça veut dire qu'il peut être président pendant X temps. C'est ça. Vous savez, c'est une très grande base de la République. La République, c'est cela, c'est accepter l'alternance, accepter le droit tel qu'il est. Et s'il faut changer le droit, la loi surtout, s'il faut changer la loi, ben, qu'on la change par rapport à la loi. Parce que la loi elle-même, elle permet son changement. Mais ce qui a été fait, vous savez, la base de cette tournante de ce poids, c'était une façon de faire en sorte que chaque île puisse désigner des représentants de son île pour que ce représentant-là gouverne les Comores. Oui, s'il n'est pas... En 2002, c'était la Grande Comore. En 2004, c'était en juin. Il n'y avait pas de raison à ce qu'en 2010, on ne soit pas Moëlie. Vous savez, c'est une affaire très simple. Ça n'a rien à voir avec notre insularisme, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle chez nous le complexe des petites îles, tout simplement parce que cette même loi a été appliquée pour la Grande Comore, elle a été appliquée pour Anjouan, raison pour laquelle Sambie est arrivé au pouvoir. Pourquoi n'a-t-elle pas été appliquée pour Moëlie? C'est déjà appliqué, même c'est... appliqué d'une façon avec un retard, mais s'il n'est pas démocrate, si Mohamed Abdallah Sambi n'est pas démocrate d'une façon selon la loi, d'une façon institutionnelle, mais quand même il tire sa légitimité, il est plébiscité partout. Donc ces candidats qu'ils envoient à Mohili, qu'ils en Grande Comore se sont fait élire, est-ce que il n'y a pas vraiment une contradiction dans le terme? Non, c'est pas ça la démocratie. Vous êtes en train de dire des candidats qu'il envoie. Ben, l'électeur... Quel soutien, je veux dire. Ben, quel que soit. Vous savez, la démocratie, elle est très simple. Le droit, il est simple. Qui est candidat? Ikililu Vanin. Il est soutenu par Sambi, il est soutenu par Abdou, il est soutenu par Ali, mais ce n'est pas Ali qui est élu. Donc, Sambi, il a été élu en 2006, et ça s'arrête là. Le reste, ce n'est plus Sambi. Ce sont des gens qui sont élus. C'est ça le droit, malheureusement. Donc, on peut bien... Et si moi, je l'avais soutenu, ça aurait été moi encore qui serais élu? Donc ce n'est pas Sambi qui a été élu, c'est quelqu'un d'autre qui a été élu. Donc là, c'est difficile, la droite. Quand même, la victoire lui appartient. Peut-être c'est politique. Oui. Je ne sais pas, peut-être c'est politique. Peut-être que son mouvement, enfin, ses sympathisants, etc. Et puis, vous savez, nous avons une très longue histoire, même si on est un petit pays nouvellement indépendant, mais on a une très longue histoire d'élections. Vous savez, le président Mohamed Abdallah a toujours été élu. Depuis 1978 jusqu'en 1989, lors de son assassinat par Bob Denard. Le jour où il a été assassiné, c'est comme si le monde s'est écroulé. On a remarqué que tous les Comoriens étaient contre Ahmed Abdallah. Donc, cette histoire de se faire élire en Afrique, écoutez, il faut attendre le résultat. Donc, il a été élu parce qu'il est le président, parce que... vous savez, je ne voudrais pas faire le procès de celui qui n'a pas gagné. Parce qu'en Afrique aussi, celui qui n'a pas gagné, souvent il dit « je n'ai pas gagné ». Parce que l'autre a corrompu, parce que l'autre a utilisé la force. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Par exemple, mais ce que je dis, moi, c'est que Sambi, il a été élu en 2006 pour partir en 2010. Il est là. Il n'est pas républicain, il n'est pas démocrate. Bien. Si vous le dites, on va revenir sur la thématique qui nous intéresse actuellement. En Tunisie, il y a eu une révolution qu'on appelle révolution Jasmin. On ne savait pas de ça venait. On ne voyait pas que ça pourrait se produire en Tunisie, où le système était vraiment verrouillé, la sécurité était efficace, le système était bloqué. Comment comprendre qu'un mois de mobilisation, de manifestation a pu faire partir Ben Ali? Bon, dans un premier temps, d'abord, c'est ce que les gens croient. Les gens croient que peut-être la Tunisie a été ténue, les gens croient que peut-être... c'est pas normal qu'une révolution puisse passer en l'espace de quelques jours, etc. Mais le fait que la révolution ait lieu, ça veut dire que le système avait des failles. C'est certain. C'est certain que le système avait des failles, notamment l'armée. L'armée, selon les avis de tout le monde, n'a pas soutenu Ben Ali jusqu'au bout. On est en train même d'imaginer que les responsables de l'armée étaient en contact avec les responsables américains qui les auraient conseillés d'expliquer au président de partir. Je crois que la façon dont Ben Ali est parti, il doit y avoir eu des négociations avec l'armée et que l'armée lui a conseillé justement la conseil de partir. Sinon, il se serait accroché puisque le système est là, ça fait longtemps. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, il faut accepter que ce qui a déclenché, ce qui a été, comme dirais-je, le moteur, c'est-à-dire ce jeune qui s'est immolé par le feu. Pourquoi ?
Parce que tout simplement avec la crise, il avait une table où il vendait ses trucs, des trucs de rien du tout. Mais que la police vienne le chasser et lui voler cela, c'est vrai que c'était trop. Apparemment, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont entassés en Tunisie, comme on dit, c'est une jeunesse tunisienne éduquée, instruite, universitaire, qui comprend beaucoup de choses, qui voudrait travailler. Donc, tous ces éléments-là, avec les éléments même de ce que j'ai dit, donc de l'armée, ont poussé à ce que Ben Ali parte. En termes de droit, je dirais même à ce que cette révolution coup d'État puisse avoir lieu, même si, en partant, Ben Ali a essayé de sauver les apparences, puisque il a d'abord désigné le vice-président pour assurer son intérim, comme si, parce que selon la constitution tunisienne, si le président est absent, le premier ministre assume l'intérim. Donc il a fait comme s'il était absent, pour que, en fin de compte, l'armée vienne éclaircir les choses, parce que si jamais le président n'est plus capable d'exercer ses fonctions, c'est le président de l'Assemblée qui prend la relève. Donc c'est ce qui a été fait. Donc, Oui, c'est ce qui a été fait. Ce que nous aimerions comprendre, parce qu'il y a eu des manifestations, effectivement. Vous dites qu'il y a eu une faille au sein de l'armée. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette faille aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons plus extra-nationales, extra-souveraines ou méta-souveraines qui expliquent vraiment le déclin de Ben Ali quand même? C'est quelqu'un qui a été beaucoup apprécié. Il y a eu le silence de la communauté internationale, en fait, de l'Occident. Vous avez raison en écoutant un peu les déclarations de certains responsables, par exemple des États-Unis, tels que Mme Hillary Clinton ou même Obama lui-même. On sent que, quelque part, les États-Unis avait déjà commencé à lâcher Ben Ali. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'arrogance. Vous avez, je ne sais pas si vous avez lu La Régente du Carthage, ce livre qui parle de la femme de Ben Ali, Leïla. Vous savez, c'est une famille qui s'est accaparée de toute la richesse tunisienne, où lorsque vous allez investir en Tunisie, vous êtes obligé de donner un pourcentage à cette famille. Et puisqu'aujourd'hui, il y a la mondialisation, tout le monde le sait, et les Américains étant des gens très très susceptibles sur ce genre de choses d'enrichissement illicite, immédiat, etc. Donc je crois qu'il y a eu, comme tu le dis, des éléments extérieurs qui ont influencé. Donc, je crois que Ben Ali a été plus ou moins, en tout cas, il a été intelligent de comprendre qu'il va falloir qu'il parte. Sinon, il se serait accroché et Dieu seul sait, si ça ne serait pas la Roumanie de Ceaușescu, en tout cas, ce qui est arrivé à Ceaușescu pourrait lui avoir arrivé avec sa famille. Donc, comme vous le dites, je crois qu'il y a des éléments extérieurs. Est-ce qu'on peut comprendre que cette pression même timide de la Maison Blanche sur ce qui se passe, en Tunisie, aujourd'hui en Égypte, on va en parler. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a eu le discours d'Obama en Égypte qui appelle justement à l'interdépendance, à l'unité, beaucoup plus qu'au clash des civilisations, clash de l'islam et l'Occident? Est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle politique qui se meut en mouvement? Il y a d'autres intérêts qui Non, je voudrais le croire, mais faisons un petit bémol. Vous savez, la Tunisie, si on parle géostratégie, la Tunisie est beaucoup plus proche de l'Europe, quand je dis Europe, donc de son ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire la France. Et là, évidemment, la position de la France a été très délicate, puisque il est toujours difficile pour l'ancienne puissance colonisatrice de s'exprimer par rapport à un problème politique qui se passe au niveau d'un pays qui est ancienne colonie. Pour les États-Unis, c'était très facile. Pour la Tunisie, parce que, comme je dis, géopolitiquement, la Tunisie, elle est beaucoup plus proche de la France. Donc, les États-Unis, M. Obama, ça a été très facile de s'exprimer. Nous verrons en Égypte. Vous savez, la pression est timide. Ben oui, elle est timide en Égypte. Elle est timide en Égypte parce que tout simplement l'Égypte, c'est un partenaire, en tout cas principal, primordial, important pour les États-Unis, en tout cas pour sa politique au Moyen, au Proche-Orient. Dans ces conditions, les États-Unis aujourd'hui se retrouvent dans la même situation que la France en Tunisie. Les États-Unis le diront, mais le diront, comme vous dites, timidement, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et je me pose d'ailleurs une question, même si vous dites qu'on va y arriver à l'Égypte, mais je me pose une question, et là, je voudrais bien à ce que vos téléspectateurs, certainement il y a des Égyptiens parmi eux, mais je voudrais bien à ce que tout le monde prenne un petit repos
qu'on se pose réellement des vraies questions pour savoir si ce qui s'est passé en Tunisie se passerait C'est la question Égypte. Que j'aimerais poser. Est-ce ben, alors, je me demande si ça serait une bonne chose. Je ne donne pas de réponse, mais je dis, tout le monde devrait se poser une question. Est-ce que ça serait une bonne chose? Oui, est-ce que ça serait une bonne chose? Moi, je ne le crois pas. Moi, je ne le crois pas. Et là, croyez-moi, je suis un démocrate, je suis républicain. Je voudrais bien, je soutiens les Égyptiens qui demandent à ce que leur pays devienne normal comme les autres États, qui demandent la démocratie. J'aime bien M. El Baradei. Je comprends. Mais j'ai dit, l'Égypte, ce n'est pas la Tunisie. L'Égypte, c'est l'un des pays les plus proches d'Israël en matière de diplomatie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Égypte est un pont entre l'Israël et le monde arabe. La disparition de l'Égypte en tant qu'État fort au Moyen, au Proche-Orient, poserait beaucoup plus de problèmes qu'il n'en aurait résolu. Mais il n'est pas forcément, monsieur et madame a dit Bolero, que le déclin de Moubarak signifie déclin de l'État. Vous dites, je égyptien. D'accord. Et là, vous répondez à mon inquiétude. Oh, non, mais là, vous répondez à mon inquiétude. Oh, c'est-à-dire, si tout se passe très, très bien, et que, je dirais même que les dirigeants, parce qu'effectivement, à 82 ans, je crois, hein, 82 ans, monsieur Ousmane Barak, je crois que c'est trop. Si tout se passait comme il faut, je suis d'accord avec vous, c'est évident. Mais vous savez, la première force en Égypte de l'opposition, c'est le Frère musulman. C'est-à-dire, s'il y avait aujourd'hui des élections sérieuses, démocratiques, libres, transparentes, à l'européenne, 52%, je dirais, ou même 60%, les frères musulmans pouvaient être élus. Comme avant. Je peux vous poser une question, monsieur madame Ali Bolero. Est-ce que vous dites que vous êtes démocrate, mais il me semble que dans d'autres univers, dans d'autres États, dans d'autres nations, vous n'êtes pas pour le pouvoir de la rue. Mais vous savez, quand les conditions, quand la loi est respectée par tout le monde, vous savez, la démocratie, ce n'est pas seulement des élections. C'est d'abord organiser qu'il y ait des bonnes élections. Vous voyez ce que je veux dire? C'est organiser que l'État, enfin que la population soit libre, puisse s'exprimer, et surtout que les dirigeants politiques ne fassent pas du populisme. Ça ne serait pas la démocratie. C'est ce qu'on a vu en 1933 avec l'Allemagne. Vous savez, Hitler, il a été élu. Le chancelier Hitler, il a été élu. Il a été élu démocratiquement. Son parti est arrivé au pouvoir démocratiquement. Donc, je crois qu'il faut définir certaines règles. Il faut définir cette règle. On ne peut pas avoir en démocratie un régime qui vient et qui interdit tout. C'est-à-dire, vous n'avez plus le droit de faire ceci, vous n'avez plus le droit de faire cela. Et monsieur et madame Adi Bolero, alors, en Égypte, il y a un grand monsieur, qui s'appelle le monsieur de la sécurité égyptienne, en tout cas, qui est pressenti, en tout cas, qui est nommé vice-président, que vous connaissez sans doute, Omar Souleymane. Est-ce que vous lui donnez beaucoup de chance? Est-ce qu'il peut remplacer éventuellement Moubarak ou El Baradei a beaucoup de chance que lui? En tout cas, selon la majorité de ceux qui connaissent la situation égyptienne, tout le monde pense que pour remplacer Moubarak, Omar Souleymane est bien placé. Il est un homme très respecté, très respectable, qui connaît les dossiers. Surtout les dossiers, tous les dossiers qui concernent la Palestine. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est tout le monde qui l'a dit. Donc, apparemment, le fait qu'il soit nommé aujourd'hui vice-président, je crois que ça le rapproche beaucoup plus de la présidence de la République. Ça ne serait pas une mauvaise chose que M. Moubarak puisse s'évincer afin que des nouvelles réformes, parce qu'avec Omar, qui n'a jamais été ministre, d'ailleurs, on l'appelle ministre alors qu'il n'a jamais été ministre. Donc c'est un homme de poing, c'est un homme loyal, c'est un homme, c'est un militaire, puisqu'on a cette situation en Égypte depuis longtemps, c'est toujours des militaires qui ont gouverné l'Égypte. Donc c'est vrai. Je crois que, je n'ai rien contre El Baradei, mais je sais qu'il n'a pas d'assises. Il n'a pas d'assises populaires, il n'a pas de parti. C'est un homme bien, hein. En tout cas, ce qu'il a fait à l'Agence internationale de l'atome avec le contrôle du nucléaire, je crois que c'est quand même un prix Nobel de la paix. C'est un homme très respectable, très respecté. L'Égypte, avec lui comme président, ça serait une très belle Égypte. Mais je crois que, soyons un peu réalistes, telle que est la situation aujourd'hui, ça ne pourrait être que quelqu'un qui sortirait justement de ce qui se passe aujourd'hui dans le sérail de l'Égypte. Et Souleymane Omar, je crois, il est bien placé. Avant de terminer cette émission, vous étiez en Égypte en 2004, vous avez été reçu d'une façon officielle et solennelle. On va vous montrer les images.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé, dans quel cadre, dans quelle mission vous a été reçu de cette façon-là? Oui, je dis d'abord que c'est un pays que j'ai beaucoup aimé. D'abord, il y a une chose un peu exceptionnelle que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, mais l'Égypte et les Comores semblent être des pays qui ont d'excellentes relations historiques. Et que je sache, comme ça, dans la vie, on ne voit pas ces relations-là. Vous savez, chez nous, aux Comores, lorsque vous présentez comme quelqu'un qui maîtrise la théologie, c'est-à-dire qui est un fondi, comme on dit, un maître coranique, on vous pose la question si vous n'avez pas vos études à Al-Azhar, parce que c'est la seule école connue, sunnite, et que quand vous avez fait vos études à Al-Azhar, vous avez le droit d'expliquer tout ce que vous voulez aux Comores. Donc, il y a une relation, je ne sais pas, elle est platonique entre l'Égypte et les Comores, qui est une relation un peu, je n'ai pas d'explication, mais l'Égypte et les Comores, ça fait un bonheur. Alors que nous avons d'excellentes relations avec beaucoup de pays arabes, comme les Émirats, comme l'Arabie Saoudite, comme le Koweït, et les pays même du Maghreb, comme le Maroc, comme la Libye, comme l'Algérie, qui nous a envoyé beaucoup de professeurs, comme la Tunisie, où il y a eu beaucoup de professeurs tunisiens. Moi-même, j'ai été enseigné par des profs tunisiens en histoire géographie quand j'étais en terminale. Mais avec l'Égypte, c'est un peu exceptionnel. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être c'est un peu histoire. Donc ça, c'est la première raison. Deuxièmement, j'ai beaucoup aimé ce pays quand je l'ai visité. Voilà, je fus donc ministre de la Défense des missionnaires des Comores, puisque j'étais parti dans des élections. Mais avant que j'aille dans les élections, j'avais une invitation. J'avais une invitation de mon collègue de l'Égypte, Houssen Tantawi, maréchal Houssen Tantawi, qui est le ministre de la Défense, de la coopération militaire, de la production militaire en Égypte. Et donc, quand les élections ont fini, j'ai démissionné. Mais vous savez, en diplomatie, c'est comme ça. J'avais été invité, donc il fallait bien que je revienne un peu au ministère et que j'aille. Je suis arrivé en Égypte accompagné du Salim, actuellement général Salim, qui avait à ce temps-là le grade de commandant, de l'actuel directeur de la Sûreté du territoire à Bouachaf, qui à ce temps-là, je l'avais chargé le département de l'immigration et migration, et du commandant Youssoufi Djihadi. On a visité la production militaire, puisque notre pays avait l'habitude, en tout cas, d'acheter des matériels militaires plutôt au niveau de la France. Et que depuis, me semble-t-il, 1999, la France a coupé presque cette coopération militaire à cause du coup d'État du 30 avril 1999. Donc nous avons beaucoup de matériel commun qui est vétuste, qui devrait être renouvelé, notamment les armes, etc. Donc l'Égypte se présentant comme étant un pays aujourd'hui qui produit beaucoup d'armes légères, qui peuvent être utilisées dans les autres États arabes comme nous. Vous savez, nous sommes membres de la Ligue des États arabes. Donc nous avons visité cela. Mais surtout, c'était une coopération tripartite entre nous, l'Égypte et les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis qui, lorsque j'étais ministre de la Défense, nous ont beaucoup soutenus sur la sûreté, pas sur la défense, mais sur la sûreté. Et si aujourd'hui, nous avons le système aujourd'hui à l'aéroport pour vérifier les passeports, on avait mis en place un système qui faisait en sorte que, si nous avons des doutes sur une personnalité étrangère qui venait aux Comores, on posait la question directement aux Américains, et nous avons la réponse en l'espace de quelques minutes, 5-10 minutes. Donc nous avons assuré notre sécurité pendant ce temps-là. Donc l'Égypte jouait ce pont-là, c'est-à-dire cette relation tripartite. Voilà la raison pour laquelle il m'a été amené à rencontrer M. Houssen Tantawi, qui fut donc ministre de la Défense, peut-être qu'il est jusqu'à ministre de la Production Militaire, de rencontrer le ministre de l'Intérieur, M. Omar Souleymane. Qui est déjà vice-président. Qui est déjà vice-président, qui est donc le chef de l'enseignement. Et puis, je m'intéressais également à la vie de nos étudiants en Égypte, puisque selon le ministre de l'Intérieur et les renseignements d'Omar Souleymane, les Comoriens qui étaient en Égypte depuis longtemps, c'était des bons étudiants qui allaient au cours, tout se passait bien, mais qu'à un certain moment, il y a eu des difficultés, puisqu'il y a des étudiants que j'ai retrouvés qui étaient en prison pour des difficultés de choses un peu illégales. Donc il a fallu discuter aussi avec la communauté comorienne en Égypte. Donc c'est dans ce cadre-là. Et je suis tombé également le 7 juillet, c'était le 7 juillet 2004, donc c'était le dernier jour de mon déplacement. Et donc nous avons fêté également la fête de l'indépendance en Égypte. Donc c'est un pays que j'ai beaucoup aimé, c'est un pays très dynamique, c'est un pays très beau. C'est un bon partenaire pour les Comores. Donc je pense que la situation, si on revient à cette situation, ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est pourquoi je disais que je m'approprie la lutte
de la jeunesse et de la population égyptienne qui veulent plus de démocratie et plus de liberté. Je voudrais bien qu'il y ait une élection libre, transparente, comme dans tous les autres États, mais je dis, attention, l'Égypte n'est pas seulement pour les Égyptiens, c'est déjà un grand pays pour l'Afrique, on dit c'est le berceau de l'humanité, on dit... Mais la solidarité est d'ordre international, on voit des manifestations à Tokyo, en Tunisie, à Paris, peut-être à Moroni. Mais vous savez, c'est inquiétant, c'est même anormal qu'il y ait des gens qui soient tués. Déjà aujourd'hui, on parle de plus de 100, c'est quand même grave. Donc qu'il y ait une certaine solidarité au niveau international, ce n'est pas l'Allemagne, au contraire, et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé la déclaration de Mme Angela Merkel, et le Premier ministre britannique et le président Sarkozy qui ont sorti une lettre commune qui demande justement à ce que les massacres cessent, à ce que les négociations soient ouvertes. Je l'approuve. Est-ce que justement les mesures drastiques, restrictives, parfois même extrêmes, n'alimentent pas la révolution? C'est comme je dis, vous savez, en Égypte, malheureusement, la force, c'est ce qui s'est passé aussi en Tunisie. Ben Ali, en muselant l'opposition, le jour où il est parti, la société tunisienne a des difficultés pour se trouver des vrais partis politiques d'opposition bien installés, bien structurés. Voyez-vous où conduit la dictature? Donc en Égypte également, il y a une difficulté, puisque la première force d'opposition en Égypte aujourd'hui, ce sont les Frères musulmans. Vous savez, les Frères musulmans, ce sont ceux qui ont assassiné, selon les enquêtes qui ont été faites, le président Anwar El Sadat. Et en tous les cas, les assassinats, ce n'est pas une bonne chose en démocratie. Donc voilà pourquoi j'ai dit que faire en sorte que l'Égypte devienne démocratique, ça peut aussi aider le régime. Ça peut aussi aider le régime parce que là, il y aurait des partis responsables, comme aujourd'hui on voit M. Baradei, qui est nommé, je ne crois pas qu'il est impliqué dans des trucs islamisants, etc. Donc c'est aussi effectivement, pourquoi je dis qu'il faut une transition. Je crois que la façon dont le président Moubarak a procédé, en nommant un nouveau gouvernement, surtout en intégrant une forme de vice-présidence avec Souleymane, il est possible qu'avec Souleymane, on peut imaginer des réformes institutionnelles qui feraient en sorte que l'Égypte soit transformée, mais qu'elle garde aussi son statut d'un pays stable, d'un pays qui permet le pont au Moyen et au Proche-Orient. C'est très important. Dans votre pays d'origine, les Comores, où vous avez été plusieurs fois responsable politique, vous avez assuré des fonctions d'envergure nationale, on a quand même tendance, en tout cas, que le système est verrouillé. Les choses ne marchent pas. La question sociale, l'école, la santé. Et pourtant, on n'a jamais eu une mobilisation vraiment qui fait peur à vous, responsables politiques. Ça vous satisfait? Vous savez, on peut déjà le généraliser cela avant de le singulariser aux Comores. Ça n'a jamais existé en Afrique noire. C'est important, je le dis, je ne suis pas raciste, mais je le dis. En tout cas, en Afrique noire, on n'a pas vu ce genre de révolution. Je me pose des questions, pourquoi? C'est vrai, il y a des cas, Madagascar, je dirais même Tananarive, puisque ce n'est pas comme en Tunisie, dans toutes les villes. À Tana, il y a eu ce genre de trucs. Ça existe, mais donc, déjà en Afrique noire, c'est compliqué, encore au Comores. Et puis, le problème d'insularité chez nous, ça complique tout. C'est-à-dire... le pays aurait été uni dans un continent, mobilisé tout le monde à la fois en Anjouan, en Moëlli et en Grande Comore en même temps, ça aurait été plus facile. Parce que dans chaque île, il y a aussi des spécificités. Alors, à Moroni, quand vous êtes à Moroni, ce n'est pas la même situation que vous vivez quand vous êtes à Mitsamidi, et ce n'est pas la même situation que vous vivez quand vous êtes à Fomboni. Les populations, vous savez, la Banque mondiale avait fait une étude, un questionnaire, pour voir un peu les préoccupations des Comoriens, et je vous dis ce qui en est sorti, là j'étais Premier ministre, c'est curieux, c'est-à-dire, les grands Comoriens, à 90%, tout le monde a répondu, je vais faire mon grand mariage. Les Moëlliens, à 90%, tout le monde a répondu, je vais avoir un champ pour cultiver. En juin, tout le monde a répondu, je vais avoir une maison. Déjà, vous voyez, avec ce questionnaire-là, on n'a pas pu trouver les mêmes inquiétudes pour une même population. Donc ça, c'est un handicap. Comme j'ai dit, le fait que ce soit insulaire, géographiquement, c'est un handicap. Mais aussi, en tant que dirigeant politique, comme vous l'avez demandé, ça m'inquiète. Mais je crois que peut-être aussi, et là, la diaspora comorienne va devoir m'excuser,
mais c'est une idée à laquelle je crois, donc je dois le dire. Parce que aussi, nos compatriotes qui sont à l'étranger aident beaucoup plus à cela, puisqu'ils maintiennent une certaine vie qui ne reflète pas la réalité du pays. Quand vous avez 80% de la population comorienne, surtout en Grande-Comore, qui dépend de ceux qui vivent en France, ceux qui vivent en France qui ne se posent pas de questions, pourquoi n'ont-ils pas quelque chose à bouffer? Comment voulez-vous que les gens puissent se révolutionner un jour? Alors là, je ne les accuse pas, mais je dis c'est une réalité. Vous pensez que la révolution, c'est une affaire des élites, des gens bien éduqués, ayant des moyens? En tout cas, déjà. En tout cas, déjà, déjà eux, il faut bien qu'ils soient présents. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Comoriens diplômés qui sont des chômeurs. Donc c'est une difficulté. Ce sont des jeunes de 30 ans, de 40 ans, c'est-à-dire qui ont une vie normale, qui ont des femmes, qui ont des enfants. C'est des réelles questions qui se posent devant. Mais à côté, je vous dis, ce sont des gens aussi qui perçoivent, du moins chaque semaine ou chaque mois, un petit truc de Western Union qui leur permettent aussi de subsister. Ça n'aide pas. Je ne dis pas qu'ils doivent laisser leur famille pour qu'ils meurent de faim. Mais je dis, ce sont des questions, on doit se poser des questions. Puisque ce n'est pas normal aussi que dans des situations réelles, vous savez, les enregistrements illicites, on en parle souvent aux Comores. J'ai toujours demandé, moi, qu'un jour vienne, à ce qu'on fasse réellement quelque chose, c'est-à-dire à ce que les Comoriens viennent nous poser des questions et qu'on cherche. Moi, on m'a toujours accusé, par exemple, que j'ai de l'argent. J'ai toujours voulu à ce que les gens viennent chercher. Mais c'est vrai, aux Comores, il y a des gens qui s'enrichissent vite et c'est inquiétant. C'est-à-dire des gens qui ont gouverné ou qui gouvernent, qui s'enrichissent beaucoup plus vite que la réalité. Donc, les jeunes Comoriens aujourd'hui pourraient très bien imiter cette révolution de Jasmin ou ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. Certains appellent la révolution Ilang. Ou la révolution Ilang, comme on dit. Mais ça, il faut la préparer. Il faut la préparer parce que nous sommes un petit pays. Tout le monde connaît tout le monde. Nous avons beaucoup de liens familiaux. On ne se méconnaît pas, on se connaît. Il est donc très difficile. Et c'est là où j'interpelle justement les dirigeants que nous sommes, les politiques que nous sommes, que nous devons prendre la mesure de cela afin d'imaginer dès maintenant les changements qu'il va falloir apporter à nos institutions pour que justement les jeunes Comoriens puissent avoir des capacités de pouvoir travailler et s'assurer d'une vie normale dans leur pays qu'ils aiment bien. Ah, Madame Ali Bolero, merci d'être venue à cette émission. Je rappelle qu'il est écrivain aussi, parce que vous avez publié des livres et je crois que vous préparez un mémoire, il me semble. En effet. Aux éditions de la Lune, c'est bien ça? Aux éditions de la Lune. Le devoir de vérité. Le devoir de vérité. Quelle vérité alors on va devoir apprendre? Bien, on le saura très très prochainement. Merci. Merci.